Michel Bougenat faisait partie des invités de l'émission Un dimanche à la campagne, diffusée sur France 2 le 29 janvier. Auprès de Frédéric Lopez, l'acteur de 70 ans a fait des confidences sur son enfance, en révélant avoir été triste, dès son plus jeune âge. Se considérant comme un puits né étant donné qu'il était le troisième de sa famille, avant-dernier bout de chou de ses parents, il a estimé avoir été celui qui n'a pas de place. Il n'est pas cadet, il n'est pas dernier, ni l'aîné, ni rien. A affirmé Michel Bougenat, en révélant qu'il se sentait toujours abandonné ou différent par rapport à ses trois frères. Un sentiment qui s'explique notamment parce que son défunt père, Joseph, médecin de profession, travaillait énormément, comme il l'a confié, il avait son métier, qu'il adorait et puis c'était un flambeur, donc on ne le voyait pas beaucoup. Questionné par le danseur François Allu, également présent dans l'émission, sur ce qui lui a donné la force de continuer sa carrière notamment, le comédien a déclaré, du tac au tac, l'envie que mon père me regarde. Supérieur à Louise Bougenat aux côtés de son père, Michel Bougenat, sur un tapis rouge anissue une relation père-fils quasi inexistante durant sa propre enfance avec une certaine émotion, Michel Bougenat a indiqué avoir compris un truc fou sur sa propre vie lorsque son fils, prénommé Joseph, âgé de 24 ans aujourd'hui et issu de son ancienne histoire d'amour avec la coiffeuse Isabelle Luzet, faisait du judo. Quand je l'ai vu en kimono, je suis tombée en larmes et je suis sortie. J'ai pleuré parce que moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire de voir mon père me regarder, quand moi je faisais quelque chose, petit, a développé l'acteur et humoriste, également père de Louise, 22 ans, qui pense que le déclenchement de son désir de faire carrière dans le milieu du spectacle a été sa relation difficile, voire inexistante, avec son paternel. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 2.